Un mois d'avril pluvieux amène un été serein. Mais oui, Stéphane, je veux de la sérénité. Mais oui, simplement, s'il pleut en avril, la terre sera un peu plus mouillée, il y aura plus d'eau dans les réserves. C'est un dicton très paysan. Et cela veut dire que nous n'aurons pas d'inquiétude quant aux arrosages cet été. Un souci en moins. Ah bah oui, alors. Ah, ça fait du bien. Bonjour. Bonjour. Du calme dans un monde qui bouge, qui se réinvente, qui se cherche. Vous en avez besoin. Mais sachez que nous ne sommes pas les seuls à nous agiter. Il y a aussi les arbres sommaires. Nous poursuivons notre série sur les métiers de la forêt. Dans l'Est, Virginie nous présente les subtilités qu'exige son travail de conductrice d'engin. Palmiers à échasse, palmiers marcheurs, sensitifs, tournesols, danseuses, toutes ces plantes sont en mouvement à notre plus grand étonnement. Non loin de Pithiviers, les jardins du manoir de la Javelière nous entraînent dans une visite mêlant l'amour des voyages, de l'astronomie et des roses. Et sans tarder, retrouvons Stéphane. Il est quelque part dans le Perche, au beau milieu d'un paysage de bocage. Ses chaussures sont bien blanches, bien neuves. Vont-elles résister au chantier qui l'attend chez Samuel et Rachel? Bonjour Rachel. Bonjour Stéphane. Bonjour Samuel. Ça va? Très bien. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Pourquoi suis-je là? C'est bien de cet endroit, je suppose, qu'il s'agit? Exactement, c'est cette plate-bande qui nous pose un petit problème. On a acheté des plantes, on voulait se faire plaisir et on les a posées avant de voir l'hiver arriver, histoire qu'elles survivent un petit peu, quoi. Mais posées comment? Un peu n'importe comment, voilà, sans fil conducteur. C'était l'objectif que ça passe l'hiver et de mettre en jauge vraiment. Donc on a un petit peu tout tassé, on n'a pas cherché à faire quelque chose d'esthétique ni quoi que ce soit. Vous avez fait une tranchée, quelque chose comme ça? Voilà, c'est ça, pour poser les plantes dedans, pour qu'elles puissent passer l'hiver, mais... Bah moi je trouve ça bien. Sans côté esthétique. Ah bon, déjà ? Ah bah oui, je trouve ça bien. Mais je dis parce que vous auriez pu les garder, je sais pas, n'importe où. Et là, en jauge, c'est quand même comme ça qu'on travaille. Et c'est comme ça qu'on préserve les plantes jusqu'au moment où on va avoir envie de les planter. Ouais. Donc, il ne faut pas considérer cette plate-bande comme une chose organisée. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. La volonté, c'était surtout au niveau de la longueur, quand même, enfin de l'esprit, pour pouvoir avoir une vue de l'intérieur sur des fleurs et créer un joli point de vue, un premier plan. Exactement, mettre un petit peu de relief, voilà, en premier plan. Mais alors, qu'est-ce que vous voudriez voir dans cette plate-bande? De la couleur. Voilà, dans les tons blancs, roses, fuchsia, violet, vraiment dans les teintes un petit peu comme ça. Mais, du relief, volume, quoi, couleur, apporter relief, du relief. D'accord. Voilà, sur un terrain qui est très très plat jusque-là. Donc du rose, du blanc, du violet, du relief, du volume. Moi, je rajouterais des feuillages parce qu'il faut penser l'hiver, qui soient tantôt caduques, tantôt persistants. Oui. D'accord. On est d'accord? On est d'accord. Formidable. Tout ça, et moi, je rajouterais en plus un dessin. Lorsqu'on est ici, moi, ce que je vois, c'est une sorte de percée comme ça, qui nous donne à voir jusqu'à 500 mètres au-delà. Ouais. Et ça, j'aimerais bien ne pas l'obstruer. La plate-bande, on va la délimiter entre le carré potager, enfin le carré en bois, et puis la souche, on va la repousser à peu près 2 mètres, de façon à avoir un point de départ, un point d'arrivée. Ce qui serait bien, c'est de partir du carré, de tirer au droit, de partir en diagonale jusqu'au palmier, qui pour autant ne restera pas là où il est, de gagner quand même sur toute la longueur de la plate-bande 50 cm à peu près, et d'aller mourir avec un angle diagonal qui sera le même que le premier, jusqu'à la souche. Par souci de, je ne sais pas, de cohérence, ce serait bien de rajouter un autre palmier. Pas le même, ça c'est un Trachycarpus fortunei, palmier chanvre qui est originaire de Chine, un autre plus européen, qui s'appelle Chamaerops humilis et qui lui part sur plusieurs stypes comme ça. Ensuite, ce qui serait bien, c'est d'avoir des plantes qui soient à même de devenir relativement grandes, pas des arbres. L'albizia qui est ici, je suis sûr que vous n'avez pas envie qu'il reste là quand vous savez à quoi ça ressemble quand c'est adulte. Ah oui, non. Donc lui, il va disparaître. Par contre, on pourrait avoir du Physiocarpus, des arbres qui se retaillent et qui se rabattent, des saules qui se retaillent et se rabattent le moment venu. D'accord. Mais qui donnent comme ça une sorte de densité. C'est pas parce qu'on enlève un albizia qu'on nous interdit d'en introduire un autre. Sauf qu'il y a des albizia pleureur à feuillage pourpre dont la tête est greffée sur un tronc qui les empêchera de grandir. D'accord. On passe la trouée et là on arrive dans le champ des persistants et des volumes. Ce sont des arbustes de taille moyenne mais qui vont pour certains culminer à 2,50 m. D'accord. Mais en créant des rondeurs comme ça. Donc là, je vais démarrer avec un laurier-tin. Devant, il va y avoir un cryptoméria qui, lui, restera une boule comme ça, qui ne grandira pas vite. Jusqu'à l'extrémité, se retrouver avec des osmanthus, dont le feuillage est donc, je l'ai dit, persistant. Ensuite, il va falloir compléter et densifier. C'est-à-dire que toutes ces goras qui sont ici, on n'y touche pas. Les sauges microphylla qui sont ici, on n'y touche pas. On va plutôt en ramener d'autres et ramener d'autres plantes vivaces à fleurs. D'accord. En respectant la gamme de couleurs dans laquelle nous sommes inscrits. Et puis au pied de tout ça, on va pouvoir aussi ramener quelques graminées de manière à avoir un peu de fluidité. Je vois qu'il y en a déjà ici. Ouais. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ça donne envie. Bien sympa, ouais. Alors on y va. Il y aura de nouvelles limites pour une nouvelle plate-bande qui prend une vraie dimension. Une terre pas commode à ameublir en ce milieu d'été. Des arbres à fort développement qui changent de place pour d'autres mieux proportionnés. Quelques accessoires et le mot de la fin. Il y a du volume, il y a de la couleur. C'est ça, c'est parfait. Stéphane, regarde comme c'est mignon. C'est ravissant. On aime. C'est ravissant. Alors, on va apprendre à faire ces pots, Stéphane, avec Sarah. Sarah, c'est une fille bonbon, c'est comme ça que je les appelle, ces filles-là. C'est-à-dire fille douce, gentille et en plus très talentueuse. Je la connais parce qu'elle fait des petites figurines d'animaux, mais c'est vrai qu'elle fait aussi des pots. J'ai voulu savoir comment on pouvait faire ces pots-là. Regardez, vous allez vous aussi comprendre comment faire. Sarah, comme je viens de le dire à Stéphane, on va faire un petit pot sur pied. Mais avant, on va parler de ces animaux qui nous entourent parce qu'ils sont merveilleux. Il y a des ours, il y a des tigres. Comment tu as eu l'idée de faire ces animaux? Alors, j'ai commencé par faire quelques tigres et quelques loups. Moi, j'aime beaucoup l'illustration, les inspirations de la nature. Et en fait, ça a beaucoup plu. J'étais assez surprise. Et du coup, j'ai continué, j'ai développé plein d'autres animaux. Pourquoi tu choisis de la faïence plutôt que la porcelaine, par exemple? Alors, ça permet d'avoir une palette de couleurs plus riche. Et comme j'aime beaucoup travailler la couleur, j'ai choisi cette terre. Ok, donc ça, combien de temps à peu près pour faire ce petit pot? On est parti pour combien de temps? Alors ça dure une dizaine de jours entre le moment où on fait modeler, ensuite on sèche, on met 2 fois dans le four pendant 24 heures, donc au total, il faut compter une dizaine de jours. Bon, et nous, on va tricher. Allez, première étape d'abord, il faut modeler, j'imagine. Voilà. J'enlève mes bagues. Exactement, c'est plus Explique-nous. Donc, on commence par prendre une boule de terre voilà, qui tient dans la main. Ouais. Et en fait, on va poser le pouce au milieu de la balle de terre et on va l'enfoncer assez profondément jusqu'à essayer d'avoir une épaisseur entre l'index et le pouce qui soit environ 1,5 cm. Et ensuite, en fait, on va tourner légèrement en pinçant à partir du fond du bol pour affiner les parois et obtenir la forme d'un bol. Que j'ai bien affiné les pieds, je vais venir faire un petit quadrillage avec mon couteau sur la partie la plus celle qu'on a épaissie. Pour que ça colle, en fait, il faut que l'eau rentre, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et on va utiliser une colle spéciale qui est un mélange en fait de terre et d'eau qui s'appelle la barbotine. Barbotine. Voilà. Quelle est l'étape suivante, Sarah? Alors là, on va laisser sécher pendant quelques jours et ensuite, on lissera bien notre bol avec une éponge abrasive. Ok, et la magie de la télévision. Sarah, tu as travaillé pour nous. Voilà. Quelques jours plus tard, voici le bol. C'est ça. Alors les bols sont un peu plus petits parce que la terre, en séchant, rétrécit un petit peu. Ah, ça veut dire que moi, mes gros pieds là, actuels, ils vont devenir aussi petits? Peut-être. Pas autant. l'étape suivante pour toi, ça va être d'utiliser un nouvel ébauchoir pour faire des traces sur ton bol pour avoir un effet de bas-relief. Et toi? Et moi, je vais faire de la peinture. C'est une peinture spéciale qui s'appelle des engobes. C'est un mélange de terre et de pigments délayés dans de l'eau. Et une fois qu'on a toutes les deux finies, on va mettre une première fois ces pièces au four et elles vont cuire à 1000 degrés pendant 24 heures. Alors pour vous montrer, parce qu'on ne va pas attendre à chaque fois la cuisson, ça donne ça. Alors ça, c'est après une cuisson, donc la terre a durci, elle est beaucoup moins friable et elle a blanchi aussi, ce qu'on voit sur la tienne vu que ça n'a pas été peint. Et ensuite, ça c'est après la deuxième cuisson, après une étape qu'on appelle l'émaillage, où on va tremper ce pot-là dans un bain d'émail qu'on va refaire cuire une deuxième fois et qui va donner à la terre cet aspect brillant et aussi permettre que ce ne soit pas poreux. Mais on est d'accord que ce bleu clair devient ce bleu foncé. Exactement, voilà. L'émail, ça a vraiment un effet magique sur les engobes. Et ça devient brillant. Exactement. Merci Sarah. Merci Carole. Donc là, tu vois, tu as deux technicités. On les a vues là en plateau et dans le reportage. Et vraiment, maintenant, on va pouvoir s'amuser. Bien entendu, il faut du matériel. Si tu veux, tu peux aller faire un atelier avec Sarah. Elle te recevra avec plaisir. Et vous aussi. Donc voilà, mais elle est très douée. J'adore sa petite boutique. À présent, j'ai trois questions à te poser, Stéphane. Qui s'occupe de nos forêts? Pourquoi coupe-t-on du bois? Et comment s'imposer dans un univers très masculin? Autant de réponses que tu vas trouver dans le reportage qui suit. C'est en partenariat avec France Bois Forêt. Et aujourd'hui, c'est Virginie qui va nous parler de son quotidien. Je suis conductrice d'engin pour l'ONF depuis 2 ans et demi maintenant. Avec cet engin et cette cisaille, donc je coupe des arbres. Alors c'est pas juste pour le plaisir de couper des arbres, c'est des arbres qui ont été au préalable désignés par des techniciens. Je suis consciente que ces arbres-là, ils ont une destination, on ne va pas les laisser pourrir bêtement non plus. Ici, ces tas-là seront transformés en plaquettes, donc c'est du bois énergie. Hein. Ça va chauffer des gens, voilà. C'est du bois qui est du trop petit diamètre pour être valorisé autrement. Donc bon, alors il y a le côté affect que oui, on coupe un arbre, mais on sait qu'on ne le coupe pas bêtement juste pour le plaisir de le couper. On le coupe pour mettre un peu plus en lumière ou un peu plus en valeur son petit frère qui est à côté et qui a envie de croître sereinement. Et surtout, le but, c'est de faire des belles forêts pour l'avenir. Donc il faut laisser la place aux arbres d'avenir, de s'implanter, de pousser sereinement. Et on a des peuplements qui sont en densité trop élevée. Il faut réduire le nombre de tiges à l'hectare et ça passe par l'abattage ou alors de manière mécanique, par la cisaille, quoi. Salut Philippe. Virginie. Ça va? Bien et toi? Ouais. Il y a du travail pour moi? Ouais, à nouveau, première éclaircie dans le peuplement, donc la parcelle 116 comme c'était prévu. D'accord. Il faudrait premièrement que tu travailles sur un cloisonnement sur deux, que tu me l'élargisses, environ 4 mètres. D'accord. Pour qu'on puisse prévoir le débardage après avec les engins. Je fais ça. Tout au départ, j'ai une formation de secrétariat, un BEP, un bac pro. Je suis rentrée dans la vie active, j'avais 19 ans, j'ai travaillé jusqu'à 23 ans. Et puis à 23 ans, je me suis assise sur ma propre vie en me disant je fais que des métiers que j'aime pas, va falloir travailler jusqu'à 60 ans. Quel est le facteur commun, quel est le paramètre qui me déplaît dans ces métiers-là? Et le facteur commun, c'était l'enfermement. J'ai vite compris qu'il me fallait un métier d'extérieur. Donc je me suis dirigée au départ vers les travaux paysagers. J'ai aimé ce métier-là et puis il y avait la possibilité de se spécialiser. Et donc j'ai postulé à l'époque à l'ONF pour faire une spécialisation en élagage. Et donc j'ai fait une dizaine d'années en élagage et puis il y a un moment où j'ai voulu continuer dans le domaine forestier mais voir un peu d'autres choses. Et puis ça tombait au moment où il y avait un appel à candidature pour l'ouverture de cette place qui était une nouvelle place créée. C'était un nouvel engin qu'on n'avait pas encore sur le secteur, qui ne tournait pas et donc j'ai postulé, j'ai eu la chance d'avoir cette place, donc ça m'a permis de faire une belle reconversion en interne et de passer d'un métier à l'autre, mais toujours dans le domaine que j'affectionne. Alors c'est-à-dire qu'avec ma machine, on a créé une fine équipe. Voilà, là son petit nom, c'est la cocotte. J'ai un temps qui est réparti dans la journée d'entretien, que ce soit le matin ou en fin de journée. Donc il faut connaître son engin, il faut tourner autour, il faut faire les graissages, les filtres, les niveaux. Il y a beaucoup de choses à faire qui font que finalement la journée, le fait d'être seul, enfin, on ne le voit même pas passer parce qu'il y a le travail, il faut être concentré, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc non, j'ai aucun souci de... face à l'autonomie. Au contraire, j'aime vraiment ça. Voilà. Un côté indépendance qui me va bien. Et puis, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Enfin, il faut être un peu délicate, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à penser que le boulot. Voilà. À savoir que vous avez vu l'engin, il suffit d'aller à peine toucher un arbre que vous allez l'écorcer et le blesser, donc c'est vraiment pas l'intérêt. Donc il faut être et minutieuse et attentif. Donc voilà, c'est à ce quoi je pense tout au long de la journée, quoi. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce métier, enfin à ma connaissance, en interne à l'entreprise, on n'est pas nombreuses. Comme conductrice d'engin, je suis toute seule. Après il y a quelques collègues féminines, notamment en bûcheronnage ou alors des travaux saisonniers de plantation, des choses comme ça. Voilà. Alors je pense que s'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier, c'est peut-être bête hein, ma réponse, mais je pense que c'est un problème d'orientation au niveau lycée, au niveau collège. Je pense que ces métiers-là ne sont pas assez connus, pas assez montré. On a tendance encore à mettre les femmes dans des métiers bien stéréotypés et à pas leur montrer les opportunités qui existent, quoi, tout simplement. Et moi, si on m'avait montré qu'il y avait cette opportunité-là à 17 ans, j'aurais peut-être pas perdu quelques années à me chercher, tout simplement. Moi, mon avenir, je l'envisage là, dans la forêt, alors pas forcément celle-ci, hein, celle-ci ou une autre. Enfin, j'ai aucune ambition d'évolution, enfin, qu'on me laisse au fin fond d'un bois, ça me va bien, qu'on me donne des consignes claires et précises, des petits chantiers à gauche, à droite, que ce soit en travaux de sol ou en sylviculture. Enfin, mon avenir, je le vois là aussi longtemps que je le pourrai, quoi, et que mon employeur me le permettra. Voilà. On vous a promis une émission en mouvement. Regardez cet homme poussant la brouette. C'est magnifique. Tu fais des ronds. C'est bien, hein, des ronds. Stéphane, il va falloir arrêter. Allez, j'arrête. Alors, tu vas nous parler non pas d'une salade, mais d'une fougère. Oh non, commence pas. Écoute, oui, moi, j'aime bien. Voilà, je trouve que sur un balcon au nord, on ne sait jamais quoi planter. Et donc, tu veux que les gens dépriment. Pourquoi? Elle n'est pas très drôle. Hein. C'est la fin de l'hiver, t'es mignonne, toi. Justement, on en parlera à la fin de l'affaire. Mais je trouve que cet Asplenium scolopendrium cristatum est ravissant, un peu étrange, fort vert, très frais. Asplenium, c'est un genre de fougère. Scolopendrium, c'est une espèce de fougère. D'accord. Et cristatum, c'est juste parce qu'elle fait ces crustations là qui font que tu trouves que ça ressemble à une scarole. Carole. Tu vois ce que je veux dire? À moi. Tu veux dire que cette plante ressemble à moi alors que non. Je ne la porte pas dans mon cœur? Non, 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 pas du tout. Ça veut dire que c'est une plante qui est originaire des États-Unis et aussi d'Europe, puisqu'on la trouve dans la nature et qu'elle est résistante au-delà des -15 degrés, ce qui est encore un avantage. C'est bizarre, ça. Non, c'est ses spores. Ouais. Tu vois, ces petites choses-là, c'est par ça qu'elles se reproduisent. D'accord. C'est pas une maladie, hein? Oui, non, c'est pas une maladie. C'est les fougères qui sont comme ça. Vois-tu? Donc, l'idée, c'est de la planter dans un sol qui soit drainé, puisque je te dis qu'elle pousse dans les murs. Oui. Voilà. Donc, un tesson. Des billes d'argile pour assurer le drainage. Donc. Ouais. Après, on va pas se compliquer la vie. On va mettre du terreau, parce que c'est une plante qui a besoin tout de même d'un peu d'humus, faut pas exagérer. Voilà. Hop, madame. Des potes. Des potes. Hop, monsieur. Super. Voilà, très bien. Ce qui serait bien, c'est que tu reprennes ça bien, comme ça. Voilà. Tu fais une queue de cheval. Voilà, il faut vraiment que la terre soit au niveau du collet. D'accord. Là, je crois qu'on y est. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. Hop, bon, voilà. Il y a une chose tout de même qu'il faut se dire, c'est que si tu veux que ta salade, elle reste fraîche, enfin que ta fougère, elle reste verte et tendre, il est mieux d'éviter de la mettre dans les courants d'air. Parce que ça déshydrate les feuilles, ça les sèche et elles deviennent vilaines. Et de plus, ces feuilles, elles sont en fin de vie. Là, actuellement ? Mais oui, elles ont poussé au printemps dernier, elles ont passé l'été, elles ont passé l'automne, elles ont passé l'hiver, c'est bien. Mais là, elles sont en fin de parcours. Par contre, au pied, il y a plein de petites choses là, qui vont commencer à sortir. Il y a des crosses qui vont se dérouler dans les semaines qui vont venir. Ce qui fait que je peux, dorénavant, supprimer délicatement, sans abîmer les crosses, toutes les feuilles qui sont en fin de parcours. Okay. Donc ma plante va être encore plus moche, encore plus nue, mais sera sublime d'ici 3 semaines. Et elle change de couleur ou pas? Ah, le vert sera beaucoup plus tendre. Les nouvelles crosses sont d'un vert très très tendre et luisant. Bon. Elle est fraîche et un peu étrange. C'est un peu le vilain petit canard. Elle va se transformer. Bon, est-ce qu'elle bouge cette plante? En bossie. Oh bah tiens, regarde. Hop. Bon, alors là, tu l'aides. Mais il y a des plantes qui bougent toutes seules, qui réagissent à leur environnement. Si, si, je vous assure. Alors approchez-vous, observez bien. Certaines plantes font même de grandes enjambées. Nous imaginons les plantes statiques. Et pourtant, elles sont en mouvement. Le tournesol, par exemple, suit la courbe du soleil dans une rotation imperceptible à l'œil nu. La sensitive aussi n'est pas immobile. Dès que nous la touchons, elle rétracte ses feuilles pour se protéger. Dans une serre à l'abri des regards, Julien Bernard veille sur des plantes vraiment originales par leur attitude, mais pour s'en apercevoir, il faut les réveiller en douceur. Alors, elle s'appelle Desmodium gyrans ou plante qui danse, ou la plante télégraphe, parce qu'elle bouge assez régulièrement. Plante originaire d'Asie, Cambodge, zone tropicale. C'est pour ça qu'elle a besoin effectivement d'un environnement plutôt humide. C'est pour ça que nous, ici, on les garde sous une petite bâche avec pas mal d'humidité. Ça fait partie des plantes, pas uniques, mais presque, dans le monde végétal, qui est assez original. C'est ces toutes petites feuilles qu'on peut voir là, qui réagissent en fait avec la lumière. Donc dès qu'il y a un soleil assez important ou une température, elles vont tout simplement bouger pour aller récupérer en fait le maximum de lumière pour que la plante puisse se développer au maximum. À l'œil, on peut voir le déplacement des petites folioles et ça, pour l'humain, ça paraît assez extraordinaire. Là, tout simplement, elles n'ont pas encore la température adéquate, c'est pratiquement 25, entre 25 et 30, la température idéale. Donc là, pour l'instant, on est vraiment en matinée, donc c'est encore un petit peu doux. Et dès qu'on va les mettre dans notre serre qui est un petit peu plus chaude, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, elles vont tout de suite se mettre en mouvement. Et c'est ça qui est intéressant à faire découvrir la plupart des gens qui viennent. L'échauffement est terminé, les danseuses vont pouvoir dévoiler leur potentiel sur scène, accompagnées de leur doyenne. Celle-ci a à peu près 3 ans de semis, 3 ans de vécu en tout cas ici, chouchoutée. C'est une bonne danseuse, avec la température qu'il fait aujourd'hui, normalement elle devrait bien danser. En tout cas les petites folioles là, commencent à s'agiter déjà avec la température, c'est plutôt pas mal. Celle-ci, elle va peut-être les réveiller un petit peu. Commence à bouger un petit peu. Dès lors qu'on va apporter un petit peu de vibration type musicale, ça va accélérer un petit peu le mouvement. Alors il n'y a pas de musique particulière, hein, ni du Beethoven, ni du rap ou quoi que ce soit. Alors, en tout cas, moi, j'en sais rien. Peu importe la musique, moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle était un petit peu plus speed, un peu plus rythmée. Et ça permet en général de faire bouger un petit peu plus rapidement le feuillage. Plus on leur met, plus régulièrement elles vont bouger en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle la plante qui danse tout simplement. À 10 000 km de la piste de danse, sur l'île de la Réunion, Thierry Hubert se passionne pour des plantes qui marchent. Grand collectionneur de palmiers, il possède dans son jardin des végétaux à échasse, surnommés aussi marcheurs. Là, c'est le palmier à échasse des Seychelles, Verschaffeltia splendida. Une merveille, une pure merveille. Thierry Hubert cultive plus de 450 variétés venues du monde entier, exclusivement des palmiers, excepté une plante ressuscitée. Donc celui-là, c'est un pandanus, pandanus sanderi. Et lui, on peut dire qu'il a marché déjà dans sa vie. Ici, je vais vous montrer ça. Le tronc initial était ici et il y a eu un gros cyclone. Il est tombé, il s'est couché. Cette partie-là a été cassée et donc il y a une branche qui est partie à l'horizontale et puis qui s'est redressée. Et maintenant, on voit le tronc actuel. Il a refait une charpente très belle. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et celui-là, donc, il a fait un bon mètre, 1,50 m, entre sa position origine et la position actuelle du tronc principal. Effectivement, le palmier, la plante, peut se déplacer. Hein, ça, c'est indéniable. Il existe tout de même un arbre qui n'a pas besoin d'une tempête pour se déplacer, un palmier qui marche à grandes enjambées. C'est le fameux palmier marcheur, le Socratea exoriza, qu'on trouve dans tout le bassin amazonien, donc Amérique du Sud et puis en Amérique centrale aussi. C'est un palmier qui a la réputation de marcher. Chez les sujets adultes, les racines aériennes vont monter jusqu'à 2 mètres de haut. On voit mieux ici ce que ça peut donner. Les racines ne sont pas, comme sur le palmier à échasse des Seychelles, quasi verticales, enfin ça fait un cône assez étroit. Le système est beaucoup plus ouvert, les racines sont moins linéaires, et comme si elles allaient chercher de la lumière, parce que les racines se développent là où il y a plus de lumière, et que du côté où il y a moins de lumière, les racines sèchent, ce qui fait que le palmier se déplace, qu'il marche. Celui-là, on voit qu'il court, hein, il a tendance à courir. Quand on regarde bien, on a l'impression qu'il veut aller beaucoup plus loin que là où il est. Regarde derrière aussi les racines, elles sont très spectaculaires. Alors il y en a même qui disent que le palmier peut se déplacer d'1 mètre par an. C'est remarquable, hein. Parmi les amateurs de palmiers, les collectionneurs qui ont, commencent à avoir du répondant, tout le monde veut avoir ou a déjà son Socratea, son palmier marcheur. C'est incontournable. Et nous passons maintenant à l'art du bouturage, selon le grand maître Stéphane Marie. Pour que toi poste en prix. Non, mais c'est le printemps et on peut commencer à bouturer les sédums, les Echeveria et toutes ces plantes succulentes à feuilles. Ouais. Tu prends ton sédum, tu prends ton couteau et tu coupes une feuille à sa base. Ouais. Voilà. Voilà, parfait. Bien coupé ou pas? Oui, c'est très bien coupé. Et là, tu prends patience, tu vas attendre 3 jours minimum, 1 semaine même, de manière à ce que cela cicatrise. Et ensuite, c'est très simple, nous allons préparer un mélange, 2 tiers de sable, 1 tiers de terreau. Il faut que ce soit extrêmement drainant, extrêmement filant. D'accord. Allez, vas-y, 3 cuillères de sable. Ah ben, pleine. Voilà. 2, 3. Et moi, 1 cuillère de terreau. Voilà. Ensuite, un tesson au fond du pot, s'il te plaît. Donc moi, je vais mettre notre mélange. Tu vois, c'est bien granuleux, c'est du sable de rivière, c'est bien poreux. Hop là, oula, il a bougé, lui. Et là, je vais remplir jusqu'à 1 cm du bord. On va tasser avec le plat de la main. Voilà, ça te va? C'est bien, c'est bien. Donc là, il va falloir poser les feuilles, et pas n'importe comment. Il ne faut pas les enterrer. D'accord. Il ne faut pas les poser la base de la feuille trop en l'air. Il faut simplement faire une petite forme avec le doigt, comme ça, un petit lit. Ouais. Et tu les allonges. Sur lequel tu vas l'allonger de façon à ce que la base de la feuille soit au niveau de la terre, mais pas enterrée. Et quand est-ce que tu l'enterres? Quand est-ce que je l'enterre? Bah oui, tu la Non, bouche. Je l'enterre pas. Jamais? Jamais. Elle va rester comme ça. D'accord. Et là, ce qui va se passer, comme pour le Sympolia, les racines vont commencer à se développer. D'accord. Par en dessous, tout. Et puis, une nouvelle plante va apparaître ici, à la base de la feuille. Celle-ci va sécher comme celle-là, ouais, et la plante va se développer. Ah, d'accord. Moi, je pensais qu'à un moment donné, tu allais les mettre directement dans la terre. Pas du tout. Alors, si je fais ça, pouf, c'est foutu, ça pourrit, c'est mort. Même 3 jours après, quand tu as attendu que ça cicatrise. Même 3 jours après, quand j'ai attendu que ça cicatrise. D'accord. Et tu arroses et je vais arroser entre les feuilles pour ne pas les mouiller. D'accord. De manière à ce que le substrat soit humide, sans que la feuille soit trempée. Et tu places où ton pot? Comme le sédum qui vit dans le jardin d'hiver, nous allons déposer ce pot à l'intérieur, à la lumière, là où il commence à faire chaud dans le jardin d'hiver. Tu penses bien, dans la journée, ça commence à monter la température, parce que c'est cette température-là qui va aussi induire le fait que les racines se développent et que la plante se multiplie. Bon, alors amusez-vous maintenant à bouturer et offrez les plantes à vos amis. Exactement, puis les mômes, ils vont adorer ça. Ah, c'est génial, c'est un jeu d'enfant. Absolument. À présent, nous partons au manoir de la Javelière. Stéphane, tu es invité par les propriétaires pour découvrir cette collection magnifique de roses botaniques. Assise au milieu des grandes plaines, à 2 pas de Pithiviers, le manoir de la Javelière est le théâtre d'une passion dévorante, celle que ses propriétaires ont développée pour le jardin, multipliant les créations avec toujours la même exigence. Il y a longtemps que vous êtes arrivé dans cette maison et dans ce jardin? Ça fait 25 ans. On a acheté cette maison sans avoir particulièrement l'idée de créer un jardin. Et puis l'envie nous en est venue au fil du temps, mais surtout après avoir visité de très beaux jardins en Angleterre. Et donc ici, comment c'était? Alors ici, c'est un bois de chêne et nous avons beaucoup élagué pour avoir plus de lumière et créer des perspectives. Parce que c'est un jeu permanent entre... les arbres, le couvert des arbres et l'envie de planter dessous. Voilà, l'ombre et la lumière, le clair et l'obscur. Donc vous dégagez des vues, vous ouvrez un peu les choses. Oui. J'imagine que vous commencez à travailler près de la maison parce que c'est toujours comme ça. Alors on a commencé effectivement par la roseraie. Et comme vous le voyez, dans l'ensemble, notre terrain est en pente. Hein. Et dans les jardins très structurés, il me semble nécessaire d'avoir un terrain parfaitement horizontal, parfaitement plat. Là, en plus, comme on voulait avoir un bassin en longueur... On ne triche pas avec l'eau. Non. L'eau, elle est de niveau. L'eau ne veut pas se mettre en pente, il n'y a rien à faire. Donc un miroir d'eau et des roses, mais quel type de roses? Alors là, ce sont des rosiers essentiellement très remontants et très résistants aux maladies. Mais en plus... Ici, on n'est pas dans n'importe quelle terre. On est dans une bonne terre argileuse. On a Pithiviers, qui est un lieu historique pour l'histoire de la rose. Donc planter des roses dans une terre de roses, c'est vrai. C'est très gratifiant quand ça marche. Toutes les expériences qui marchent bien, c'est stimulant. Donc ça, c'est une des vues, des perspectives. Voilà, oui. Il y a une grande variété de végétaux. Ici, on a environ 1000 plantes ligneuses, entre arbustes et arbres, pas loin de 1000 variétés de rosiers. Alors là, on entre dans le jardin secret. Normalement, on n'est pas vu de l'extérieur et on est censé pouvoir venir flémarder sur un banc. Donc voilà, un jardin italien. On a vécu en Italie et je voulais garder un petit souvenir. Alors dans un grand jardin, la frustration, c'est de ne pas pouvoir mettre les petites plantes. Et donc l'intérêt d'avoir une atmosphère de rocaille, c'est que justement on peut mettre ces petites plantes. Et moi c'est un lieu qui me charme beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à passer là. Là les iris de Sibérie sont en fleurs en ce moment, c'est beau. Hein, c'est très beau. Là, nous sortons de la maison. On sort de la maison, oui, parce qu'en fait, le jardin est en 2 morceaux. On est séparé du 2e morceau par cette petite route. Alors, cette haie, c'est une œuvre personnelle. Et j'ai été, en fait, impressionné en Angleterre par constater la fantaisie des Anglais dans la taille des... Donc, je suis parti de l'idée de faire quelque chose d'un peu baroque. Et avec le temps, les méthodes s'améliorent un peu. Les formes prennent... petit à petit, beaucoup plus d'intérêt, oui, voilà. On va rentrer alors dans un jardin complètement différent de l'autre. Ici, les plantes naturelles sont beaucoup plus libres. Cet étang, vous l'avez fait creuser ou il est naturel? Non, on l'a fait creuser. Là, j'avais eu l'occasion d'acheter ce bout de terrain. C'est pas très large, hein. Je crois qu'il doit y avoir 16 ou 20 mètres. Et mon idée de départ, c'était de faire un petit arboretum. Et pour fleurir un peu, apporter des couleurs, j'avais planté quelques rosiers sauvages. Et puis j'ai vu qu'ils se plaisaient énormément ici. Et donc petit à petit, ils ont occupé tout le terrain. Et l'idée d'arboretum, d'ailleurs, ça n'avait pas de sens, le terrain est trop petit, a été abandonnée. Quand on parle de rosier sauvage, tout le monde se dit bah, le rosier sauvage, c'est quoi? C'est l'églantier, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Mais non, il y en a quand même 150 espèces. Et en plus, les rosiers sauvages s'hybrident très facilement entre eux, ce qui fait que ça a donné une multitude de sous-variétés. Et c'est intéressant parce que, d'une part, la floraison est très généreuse, comme vous le voyez. Il y a de très beaux fruits aussi. Et moi, je me suis intéressé en plus aux aiguillons, parce que je trouve que l'aiguillon, c'est un tout petit organe de rien du tout, mais sur lequel on peut se poser toutes sortes de questions. La plupart des rosiers lianes ont des aiguillons crochus recourbés vers le bas, qui leur permettent de se glisser dans des anfractuosités d'écorce. Alors que, par exemple, des plantes comme celle-là ont des aiguillons défensifs. Donc ceux-là, ils sont perpendiculaires à la tige. Et puis, il y a des aiguillons qui sont très beaux, qui servent à rien, comme l'aiguillon de Rosa sericea, que vous connaissez, qui est translucide. Et alors, on les laisse s'exprimer, vous voyez. Donc, les plantes sont très grandes, on ne taille pratiquement pas. Ce qui est formidable, c'est de savoir que ces rosiers-là sont les parents de toutes ces choses compliquées qu'on a dans nos jardins. Et revenir à la base et la voir quelque part, c'est rassurant. Et là aussi, il faut faire un petit effort d'imagination, de remonter dans un arbre généalogique, mais en haut duquel, comme pour nous, Adam et Ève, n'est-ce pas? Et bien pour eux, c'est les 150 espèces qui sont ici. La jeunesse des roses ressemble à celle de cette passion. Qui aurait pu croire qu'en 25 ans, se multiplieraient des jardins si différents, si bien plantés, dont l'histoire comblerait notre imagination, et qu'ils deviendraient l'écrin du manoir, posé là comme un joyau, honoré d'accueillir en son sein le Conservatoire national des roses botaniques. La plante de la semaine est en lien avec ce qu'on vient de voir, Stéphane, juste avant le reportage. Mais ça, tu vas nous en parler après. D'abord, donne-nous son nom. Eh bien, elle s'appelle Echeveria Graptopetalum. C'est une plante de la famille des Grassulacées. Elle est originaire du Mexique. Son nom, c'est la plante porcelaine, tu vois, parce qu'elle a cette chair un peu étrange, translucide. Elle est poudrée, c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui, Stéphane. Elle est poudrée, mais pas que, parce que la lumière passe au travers de l'épaisseur de ses feuilles. C'est très, très élégant. Son feuillage est persistant. La floraison intervient au printemps, tu vois, là. Magnifique, c'est d'une légèreté absolue. Délicatesse. Elle va aimer les sols sablonneux, caillouteux. Elle pousse dans... Voilà, c'est une grassulacée, c'est une plante grasse qui va vraiment supporter des terrains très, très, très drainants. Et sec. Absolument. Elle va aimer une exposition au soleil. La rusticité ne descendra pas en dessous du 1 degré. Okay. C'est une plante un peu fragile. Je l'aime parce qu'un jour, j'étais en train de faire un pas de panique et la dame chez qui nous étions avait cette plante. Et je lui ai dit, oh là là, elle est tellement belle, tellement belle. Un jour, elle est venue visiter le jardin, elle m'a donné une petite bouture. Voilà, la bouture, elle est là. Elle est devenue magnifique. Et d'ailleurs, nous venons de faire du bouturage de feuilles. C'est ce que je vous disais en lien. D'Echeveria et de Sedum. Et là, juste là, tu vois comment les feuilles qui sont tombées sur le sol sont en train de s'enraciner et de produire de toutes petites plantes toutes neuves, toutes belles. C'est la preuve par l'image. Voilà. C'est une plante magique. Redonne-nous son nom. Echeveria graptopetalum. Très bien. Nous retournons chez Rachel et Samuel qui ont eu un bon point de la part de Stéphane. Mais maintenant, il faut sortir les pelles. Stéphane est dans le Perche chez Rachel et Samuel. Ils ont acheté des plantes, creusé une jauge pour leur faire passer l'hiver. Ce n'est pas une plate-bande à proprement parler. À présent, c'est l'été, le dessin propose de redéfinir les choses et de trouver la bonne proportion au bon endroit. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ça donne envie. Bien sympa, ouais. Alors on y va. Bien, on va commencer par délimiter les limites de la nouvelle plate-bande. D'accord. On part de la caisse. Voilà, qu'ensuite je continue de manière parallèle jusqu'ici, que je revenais 50 cm au-delà de ce qui était dessiné jusqu'à présent. et que j'allais jusqu'au bout en donnant 2 mètres supplémentaires. D'accord, d'accord. Comme ça. Donc, voilà. Et que je terminais ici en biais. Comme ça. Ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre les bêches, puis travailler le sol dans l'espace intervalle. Il n'y a plus qu'à, on y va. La souche est déplacée vers l'extrémité de la future plate-bande. En premier, les bordures sont découpées à la bêche. À l'intérieur de cette limite, la terre est ameublie. Elle est dure. C'est l'été. Stéphane ratisse afin de niveler le sol et de retirer les racines des plantes qui n'ont plus leur place ici. L'albizia est déplantée, il sera installé dans un espace plus vaste, derrière la maison. Le trachycarpus, aussi appelé palmier chanvre, était resté dans son pot. Bien, hop là. Donc, là je suis en train d'enlever le figuier, parce qu'on est bien d'accord tous ensemble que cette chose qui a un feuillage un peu dense, ça va complètement boucher le point de vue. Ça n'a pas sa place ici. On a déjà déplacé l'albizia. L'albizia, c'est quand même 7 mètres de hauteur, 6 mètres de diamètre à peu près. C'est des grandes choses. Et là, l'idée, c'est de mesurer les choses. C'est-à-dire qu'on va planter serré, mais des choses qui ne grandiront pas considérablement ou qui vont être possiblement reprise et retaillée. D'accord. Voilà, le cerisier bigarreau, lui qui est appelé à, lui aussi, à mesurer 6-7 mètres de hauteur, c'est grand les cerisiers, ira dans un autre endroit du jardin. Donc là, on redonne un peu d'air, on se débarrasse des choses qui n'ont pas leur place ici, on ne plante pas, enfin on n'est pas dans une jauge, on est dans une plate-bande, et donc les grands sujets n'ont pas à faire ici. En tout cas, pas autant. Le figuier prend le chemin de la sortie, suivi du cerisier bigarreau. Ils trouveront un nouvel endroit mieux adapté. Voici un nouvel albizia greffé sur tige. Celui-là ne grandira pas. À Chamaerops humilis, oui, humilis, tous les arbustes doivent avoir un développement limité, comme ce Cryptoméria japonica globosa nana. Oui, nana, à la pousse très lente. Les fosses sont creusées, les végétaux sont plantés, un saule au feuillage gris, un physiocarpus pourpre. La bâche de protection est coupée afin de planter au travers. Et voici un vitex et un laurier-tin. Samuel. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est clair maintenant. Hein, maintenant que c'est en place, c'est que d'un côté, il y a essentiellement des feuillages caducs, puis de ce côté-là, essentiellement des feuillages persistants. Ouais, l'idée est soit que tout cela ne devienne pas gigantesque, et que tout ça soit maîtrisable et contrôlable. Pour les caducs, en fait, l'idée, c'est que toutes ces choses-là, les saules, les physiocarpus, c'est des choses qui se maîtrisent facilement. Tu juges qu'ils sont devenus trop grands, tu rabats. On rabat. Les saules, tu les ramènes à ça du sol. D'accord. Et ils repartent avec du bois tout neuf. Ici, c'est différent. Là, on est sur des persistants et on va traiter ça un peu comme on taille les haies. Ça, c'est du laurier-tin. Le laurier-tin, ça se taille en boule, ça se taille comme on veut, en grand, en petit, en moyen, en cube. Les pithosporums, eux, vaut mieux les tailler régulièrement pour qu'ils gardent une forme. Parce que ça peut pas, tu peux pas rentrer trop dedans d'un coup. À quelle période? Après, comment dire? Plutôt en fin d'hiver, en fait. C'est bien, mais c'est comme tous les arbres. Ben voilà. Vous me posez une question, vous avez la réponse. Ce pithosporum pourpre Thompson garde une taille modeste. Arrivent les fleurs, des lavandes, des cheveux d'ange, des sauges des marais, si bleus, ou formosa, si pourpre, et toutes parfumées. Des agapantes, des anémones du Japon. Gilbert arrive avec une remorque de BRF, bois raméal fragmenté. Ce ne sera pas de trop pour pailler toute la plate-bande, apporter de la fraîcheur au pied des plantes, limiter les adventices et produire de l'humus en se dégradant. Les lanternes sont disposées, une sorte de grand moulin en métal complète et achève le chantier. Rachel, Samuel, Gilbert, c'est fini. Ça vous plaît? Ah bah parfait, oui. Ça change. Ah, déjà, voilà, il y a beaucoup plus de couleurs. Il y a du volume, il y a de la couleur. Voilà, le côté persistant aussi. C'est vrai qu'on avait acheté beaucoup d'arbres à feuillage caduc et pas de persistant. Donc là, c'est génial pour l'hiver. Au moins, on aura un peu de verdure. Donc ça restera voilà, un petit côté joyeux dans le jardin. Et ce qu'on n'avait pas pensé aussi, nous on avait fait une plate-bande toute droite et là c'est vrai que du coup les deux diagonales ça permet de dynamiser vraiment, et faire une lecture, tout à fait. Et puis les petites filles vont être contentes pour courir à travers tout ça. Ah ouais, tu vois ça toi. On avait pas pensé là. Je vois ça moi. Oui. Bon bah merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Oui. Et merci pour le coup de main, Gilbert. Oui, oui, enchanté de vous avoir connu. C'était pas rien. Oui, oui, c'est vrai. De temps en temps, je vous voyais à la télé. Jamais j'aurais pensé un jour de vous voir. Et ben voilà, c'était aujourd'hui. Voilà, fallait être là. Merci. En une journée et des bras en renfort, la plate-bande est passée d'une jauge provisoire à un espace planté. En considérant les proportions de son futur développement, les teintes qui s'y côtoient et les saisons qui s'y succèdent. Depuis le salon, c'est un nouveau paysage qui va se renouveler sans cesse. Et oui Gilbert, Stéphane passe à la télé mais peut aussi venir chez vous. Tu as signé un autographe j'espère. Merci Gilbert. Donc, comment on fait, Stéphane, pour te recevoir à la maison et que tu bosses gratuitement pour les gens? Ce n'est pas compliqué. Je vous le dis, chaque semaine, des gens viennent me voir en disant « Comment s'inscrire ?» Vous allez sur France TV, vous demandez la fiche « Pas de panique », vous la remplissez et c'est tout. Et pour revoir l'émission, c'est tout pareil. Vous remplissez pas la fiche, mais vous faites France TV. Pour l'agenda, c'est tout aussi simple. Vous ouvrez votre agenda, vous prenez votre crayon à papier et vous notez les 20, 21, 22 avril dans les Hauts-de-France. C'est au château d'Esquelbecq. Qu'est-ce qu'il se passe, Stéphane? Une fête des plantes, les journées des plantes du château d'Esquelbecq, les fêtes des plantes à la flamande. Oui, madame. Et ça ressemble à quoi? Mais c'est à la frontière belge. En fait, le château d'Esquelbecq était classé monument historique dans les années 1987. Il a été fermé pendant 35 ans. Et voilà que depuis 2 ans, un jeune propriétaire lui redonne vie. Cette fête des plantes est le moyen d'honorer le patrimoine et la culture des jardins. Eh bien, les 20 et 21 avril, cette fois-ci, nous allons dans la Manche, au château de Croville. C'est près de Picauville, les journées franco-britanniques des plantes, une ambiance champêtre et conviviale. On passe au livre. Je vous ai choisi le livre de Stéphanie Chica, J'adopte la green attitude, aux éditions Le Temps apprivoisé. Alors, à l'intérieur, tu as toutes les bonnes astuces pour avoir une démarche plus écologique. Alors, Stéphane, je suppose que tu fais toi-même ta lessive, ton après-shampoing, que tu as tous les produits ménagers qui ne sont pas toxiques pour la planète. Bien entendu. Elle me fait mentir en plus. Eh ben, je vais te laisser ce livre parce qu'à l'intérieur, tu as vraiment tout ce qu'il y a pour ton quotidien. Pour justement se dire, allez, je pollue trop, il faut que j'agisse. Stéphanie a eu cet électrochoc en lisant Indignez-vous et aussi en regardant le film Demain de Cyril Dion. C'est vrai qu'en ce moment, on se pose tous des questions. On voudrait avoir un peu moins d'impact sur notre planète. Tout à fait. Didier Villery, Plantes vivaces, dans la collection Mode d'emploi aux éditions Ulmer. Les reconnaître, les utiliser, les cultiver au jardin parce que les plantes vivaces sont un atout pour les jardiniers. Tu les plantes, elles sont là tous les ans au rendez-vous. Elles demandent peu de soins et elles nous ravissent toutes. Les connaître, les reconnaître et savoir où les planter. Très bien, la semaine prochaine, on va avoir un rendez-vous gourmand. Nous allons parler du chocolat. Nous allons suivre des explorateurs qui vont vraiment nous faire saliver, les noirs, blancs. Vous allez tout savoir sur le chocolat. Et c'est un sujet que vous pourrez retrouver dans notre magazine partenaire, L'Ami des Jardins. Pour le pas de panique, Stéphane, tu t'es lancé un défi. Tu nous emmènes à Nice, au Festival des Jardins, et tu t'es dit, allez, je vais faire une petite scénographie. C'est le Festival des Jardins qui nous a invités, Silence ça pousse, et toute son équipe, à venir réfléchir autour du thème « Rêve de Méditerranée ». Alors, nous nous sommes rassemblés, nous avons cogité, nous avons imaginé, dessiné. Et c'est un jardin qui va s'appeler « Tapis volant » que nous allons proposer sur la promenade du Paillon, à Nice. Alors, on prend le tapis volant et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.